Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Et Gobine? On espère d'ailleurs si. Oui, on espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce que vous vous apprêtez à faire aujourd'hui? On va créer des glaces. Des vrais? Oui, on va essayer. Des glaces italiennes. On va essayer. Tout à fait. On va réussir en 3 secondes. On n'en sait rien en fait. On va tester une machine à glace à l'italienne. Ça va être un crash test, je le sens. Vous êtes prêts à essayer? Prêts. Alors voici à quoi ressemble la petite machine à glace. C'est une machine comme dans les fêtes foraines. Nous allons sortir la petite machine. C'est pas sûr qu'elle soit si petite que ça d'ailleurs. Ouais. Je crois qu'il y a un petit montage à faire. Hein. Ah oui, il y a juste ça à monter. Bien sûr. Je suis sûre qu'il y a plein de choses à faire. Il n'y a même pas le porter. Oh. Allez. Oh là là. C'est un stop cooker. Bon ben, comme d'habitude. Bon, on monte tout ça, on potasse la notice et on se retrouve juste après. Et voilà. Mais si, moi je la trouve très sympa. Ah oui, là c'est quand on tire, c'est trop classe. Ah c'est une vraie hein, ah, une vraie de vraie. Ouais. Oh elle est jolie hein, trop vraiment super jolie. Ah j'adore. Alors, la machine ne fonctionne pas sans rien. Swan il est super impatient. Oui ça y est, on mange les glaces. Il y a à l'intérieur une turbine qu'on a mise au congélateur bien longtemps avant de faire cette vidéo. Donc normalement là, elle est toute prête. Elle est complètement congelée. Et le papa, je souligne que c'est lui qui s'en est occupé. Donc le papa nous a préparé les glaces. C'est-à-dire la crème que nous allons ensuite glacer. Donc il nous a fait une préparation pour une glace à l'italienne parfum vanille. Je vais goûter. Bon. Et il y a également un parfum chocolat. Alors pour les gourmands qui souhaiteraient reproduire la recette doucement, elle est dans le descriptif de la vidéo. Aussi je vais goûter chocolat. Néo. Alors, ça a l'air bon? Trop bon, ouais. Les préparations sont faites maison, donc normalement. Bah oui, c'est super bon. Ça doit être sympa. C'est cassé par contre. Ah bah forcément. Sinon c'est supprimissible. Je connais pas ce terme mais si tu le dis. Vous êtes prêts à chercher la turbine? Prêt. Allez on va chercher la turbine. Oh là là. Oh, comme on a frisé la catastrophe. Ah non mais là maladroit. Oh Swan c'était mais moins une. Bon, tu sais quoi, je vais mettre les glaces ici hein. Je sais pas pourquoi mais. Allez. On nettoie le coude de notre petit Gaston Lagaffe là et on va chercher la turbine. Voilà, on a récupéré ceci. Alors c'est ce qu'ils appellent l'accumulateur de froid. Il était au congélateur depuis 24 heures et là on va le mettre dans la machine. Allez, on commence par la glace vanille. J'espère qu'on ne s'est pas trompé, que c'est bien comme ça qu'il faut faire. Aussi. On va voir la réponse dans quelques instants. C'est bon? Et bon, l'active. Allez. On a mis la crème glacée. Ça marche? Ouais, ça marche. Le glace, ça doit être turbiné. Effectivement. Ça va turbiner pendant 20 à 25 minutes. Quoi? Je pense qu'on va aller faire autre chose en attendant. D'accord. A tout à l'heure. Et 25 minutes plus tard, apparemment, la glace est prise. On va commencer à régaler. Comme ça fait du bien quand ça s'arrête. Alors les garçons, pour déguster cette glace, vous avez le choix. Soit vous avez des coupes parfum chocolat. Oh. Soit vous avez le cornet classique, simple ou double. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? J'hésite entre les deux. Hein. Chocolat. Chocolat pour Swan. J'ai mon double, moi. Allez, un cornet double pour Néo. Vous êtes parés? Ouais. Parés. Allez, c'est parti. C'est Néo qui commence. Ah, ça commence bien. La glace ne coule pas. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, pour que ça fonctionne, que faut-il faire? Allez, mais voyons. Voilà. Allez, c'est parti. C'est ouvert ou pas du tout? Ça va être ouvert. Oh, voilà, ça y est, voilà. Donc c'est bien comme ça qu'il faut faire. Il faut la laisser turbiner. Et comme ça, la glace peut descendre. Ah, ça y est, elle commence à prendre forme. Ah oui. Ah bah voilà. Ça, c'est de la vraie glace à l'italienne. Je pense que ça va être mais super bon. Bon.
des glaces maison jusqu'au bout. Hein. C'est le rêve, ça. Préparation maison. Maintenant, on se met dans les cornets. Waouh, c'est la grande vie pour cet été, ça. Alors, verdict. Ah, c'est donc réussi. Alors les gourmands, est-ce que vous voulez que pendant ce temps-là, j'aille nettoyer la cuve pour qu'on puisse faire la version chocolat? Ah ouais, bonne idée. Ouais. C'est parti pour le chocolat? Allez go, c'est parti. Ouh. Oh là là, c'est tombé à côté, non? Non. Non, ça va, c'est pas tombé à côté. Oh mais la famille catastrophe, aujourd'hui, vraiment, c'est pas notre jour. On a fait la catastrophe, mais c'est bon. Allez, on réassemble la machine, c'est bon. On va la rebrancher et ça va turbiner pendant encore 20 à 25 minutes. Donc les copains et les copines, on vous retrouve juste après, dès que la glace est prête. Et ben, on a failli manger de la glace au chocolat. Ouais. Alors, qu'est-ce qui nous est arrivé? Bah, elle est tombée en panne. Et oui, effectivement. Donc la machine tournait, tout allait bien. Et puis d'un coup, on a entendu qu'elle s'était arrêtée. Et elle ne repart plus, voilà. Donc apparemment, le moteur a grillé. Super, on aura fait deux glaces. Génial. Bon, bah elle est jolie, mais elle n'est pas, voilà, elle est pas tellement valable. Et là, c'est là. Alors, la glace est dans quel état dedans? Ça avait commencé à prendre quand même. Ouais, ça va, c'est pas la moitié. Vous voulez quand même la manger? Ouais. Allez, quand même. On va quand même tenter de manger cette glace au chocolat un petit peu chaude en fait, hein, pas complètement glacée. C'est parti pour la dégustation. Ouais. Alors, effectivement, elle n'a pas pris du tout même. Hein. C'est bien liquide. Ah, c'est trop beau. C'est froid ou pas? Un petit peu, ouais, ça va. On va pas dire que c'est tiède ni chaud. Hein. C'est vraiment froid. Ouais. C'est frais. Voilà, frais. C'est frais. Bon, donc ça veut dire que le moteur, en fait, a lâché il y a un bon moment. Oui. Et Tosson? C'est pas mal, mais je préfère la vanille. D'accord. Bon, pour une fois que tu préfères la vanille au chocolat, hein. On s'arrête là pour ce crash test. Allez. Oui. Alors, comment vous avez trouvé cette machine avant qu'elle grille, hein, précise? C'est vraiment excellent. Je trouve que c'est très joli, la décoration. C'est vraiment, comment dire, des sommeteurs de glace à l'ancienne. C'est très joli. Bon, est-ce qu'elle était bonne alors? Ouais, délicieuse. Par contre, s'il y aurait d'autres parfums, on aurait pu faire un stand entier. C'est ça, mais il nous aurait fallu plein de machines, oui, parce que vu que là, elles sont à usage unique, il en faut une par parfum de glace apparemment. Mais comme à la cuisine, quel parfum de glace préférez-vous? Dites-nous dans les commentaires. Passez au surtout, abonnez-vous. Prends le gros. Bisous. On vous adore. Bye tout le monde. Bye. Bisous. Plein de bisous gourmands. Moi, vanille. Vanille, ah bah comme la première glace alors.